fier d'être un Canadien francophone parce que je me sens que j'appartiens à quelque chose de rare, mais qui fait un boom, genre. Être français, c'est une chose, mais être Canadien francophone, c'est encore mieux, je pense. Mes parents tiennent beaucoup à cœur le français. C'est pour ça qu'ils nous ont mis à l'école française au territoire. Et c'est genre la seule école dans la ville. Alors, mes parents voulaient vraiment pas qu'on perde cette langue qu'on tient beaucoup à cœur. Le fait de vivre en français, c'est un mode de vie, c'est une culture, c'est une identité. C'est un peu plus facile peut-être de la vivre au Québec, étant donné que notre province est francophone majoritairement, mais de savoir que cette francophonie-là est pan-canadienne, donc en Alberta, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, ou encore dans l'Est avec les provinces maritimes, nos territoires, Yukon, Nunavut, etc., de savoir que ces gens-là continuent de défendre et de parler français et que cette langue-là soit aussi belle et aussi riche, même entourée de l'anglais, qui est une autre belle langue, soit, mais notre français, il faut le défendre. Faut le vivre et je suis très très fier de savoir que cette francophonie-là est riche partout ici au Canada. La francophonie canadienne pour moi c'est la famille. Moi j'ai immigré ici mais je viens de l'Afrique francophone et quand je suis arrivé ici et j'ai découvert qu'en allant dans les autres provinces et en chantant Frère Jacques, il y a des gens qui sont capables d'embarquer dans ma chanson, ça m'a ému beaucoup. C'est une grande famille avec différents accents, différentes parlures, et une famille qui épice la langue française de façon différente d'un bout à l'autre du pays. C'est ça la francophonie canadienne.